je suis pas issu de la restauration. De 24 ans à 36 ans, j'étais footballeur professionnel. Ensuite, il a fallu se poser la question de la reconversion. Il y a eu des craintes au début parce que justement, comme je n'étais pas de ce milieu, je me suis posé 1000 questions. Mais ça s'est vite dissipé parce que la franchise était vraiment là pour nous. J'avais un responsable réseau qui était là jour et nuit quand ça se passait pas trop bien. Il y avait vraiment les réponses à toutes mes questions. Aujourd'hui, ce qui a plu aussi à la franchise, c'est que je manage mon équipe comme une équipe de foot, en fait. J'ai pris ce management de sportif et je l'ai retranscrit sur mon restaurant. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se passe pas trop mal. J'ai une très bonne équipe, il y a une bonne ambiance. Les visites mystères, c'est la franchise qui envoie deux clients dans les restaurants au bureau. Ils viennent pour tester les plats, le service, l'accueil, l'hygiène du restaurant. On a été noté 3 fois. La première fois, on a été premier. Et on a fait une fois quatrième et une fois deuxième, je crois. Donc bien, à poursuivre. On a une autre visite, c'est Silicœur. Silicœur, c'est le laboratoire d'hygiène qui va faire des prélèvements en cuisine, qui vient voir comment on travaille sur l'hygiène de la cuisine, sur les modes d'affichage. Là, c'est pareil, c'est assez suivi, assez poussé. C'est quand même une référence en termes de qualité dans votre restaurant et en termes d'hygiène. Donc, sur la dernière note, on a eu 98 sur 100. Donc une très bonne note. Il vaut mieux être bien noté parce que c'est ce qui nous permet aussi d'avoir nos RFA, donc nos remises de fin d'année par les fournisseurs. Le premier bilan va être fait mi-février. Après 14 mois d'ouverture, on est à 15% au-dessus du prévisionnel. Ici, on est sur une zone commerciale, donc à côté d'un géant casino. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un pôle restauration avec un Buffalo, avec un Léon de Bruxelles, avec un Pizza dell'Arte. Donc au début, on avait un peu de doute par rapport à tous ses concurrents. Et aujourd'hui, on ne regrette pas parce que justement, le chiffre est au-dessus de nos attentes.